Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Dumball Senkiwo, Double Show Custom. Mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste résoudre l'énigme de ce type, de ce gros con qui m'a fait à cause de lui j'ai perdu énormément de temps. Donc on va répondre à la question, on va attendre un petit moment. Allez, on a quelque chose de nouveau. Oups, ok. On a un ok. On a quelque chose de nouveau. Ah, quest, on va répondre la première. On a quelque chose de nouveau, ok. Ok, ok, ok. Quelque chose de nouveau, ok. Un nouveau. Donc on voit ça en haut à gauche, hein. Vérifiez quand même bien parfois le reste. Hein. On n'a pas encore reçu de quest pour l'instant. Ah voilà. Voilà, on a débloqué une quest. Ok, c'est super. Alors la quest numéro 1. On va devoir aller à Kitajima. Et on va devoir faire quelque chose. Mais quoi? C'est une bonne question. Ok, donc là en fait il nous dit que qu'il y a plusieurs trucs qui sont disponibles. Mais c'est uniquement parce qu'en fait par download en fait on les avait débloqués. Donc c'était déjà il y a un moment. Mais bon, ils le mettent maintenant dans le Shikabot. Comme ça on le sait. C'est un peu comme le IP Plate de Inazuma Eleven Go, IP Plet, ou le Ina Link pour ceux qui jouent en japonais. IP Plet, c'est juste un nom débile. Donc le, on nous dit d'aller là, mais en fait il faut aller là pour faire une quest. Parce qu'en fait ce qu'il nous dit pas, ou bien ça a changé depuis la version PSP, c'est que on le voit où ça. Vous voyez ici où j'ai 1855, et ben je dois atteindre les 10 000 là dedans. Donc je vais devoir trouver quelqu'un pour la quête quoi. Et je ne sais absolument plus qui c'est. Ah ben voilà. Voilà voilà voilà. Ici, ça c'est la quête. Ok, donc il va y avoir du nouveau maintenant. Hein. Je pense dans le Sika Abode. Je pense qu'il va y avoir du nouveau dans le Sika Abode. On va se poser 2 secondes. On va appuyer sur L. Ah, des nouveaux trucs. Game Center, ok. Il faut aller au Game Center maintenant. Ok, bon, je vais juste... Ah, ben voilà. En fait, il y avait un autre Game Center. Donc ça aussi, c'est un Game Center. En fait, et c'est pour ça. Voilà, c'est un Game Center aussi. C'est pour ça que j'ai confondu un peu les deux, excusez-moi. Donc voilà, vous allez au Game Center et vous avez ici en fait le Burger Shop. C'est-à-dire que c'était juste à côté du Game Center. Du coup, on va devoir lui parler. Voilà, on reçoit le bag. Il part. Hop, on va descendre. On doit aller de nouveau ici, au Kitajima. Et ce n'est pas 3 000, ce n'est pas 10 000, c'est 30 000 crédits qu'il faut avoir. Voilà, le bag, s'il te plaît. Et on reçoit donc 20 000 crédits. Voilà, quest au clear, c'est parfait, c'est parfait.
parfait, c'est parfait. Bon, toi, tu vas supprimer tous tes trucs inutiles. End, voilà. Donc, c'est la fin du truc. De la quête. Du coup, il y a une nouvelle question qui se pose. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que j'aurais pas par hasard cliqué sur le bouton 8? Non, tout va bien. Bad, ok, j'ai donné une mauvaise réponse. Justement, ça c'est bien. Du coup, vous allez reprendre la même question et vous allez répondre l'inverse. Ok, donc on a une nouvelle quête qui se débloque. Wakata dewa Hiroto Hirokun. Désolé, j'ai dit tout. Tokyo Shakuen. Ok, donc on doit aller au Tokyo Shakuen. Tokyo Shakuen. Town map. Vous pouvez aussi essayer de comparer un peu les signes. Hein. Peut-être que ça va vous aider. Donc au Tokyo Shakuen, voilà. Cohen plutôt. Donc là on va devoir trouver quelqu'un ici dans cette zone. Ah bah c'est lui. Pour ceux qui se disent j'ai cheaté, j'ai pas du tout cheaté, je me suis dit je peux pas les rouges là, je peux pas. Ah mais non, mais vous voyez pas la map en fait, vu que je mets uniquement l'écran du haut. Bref, en fait, je vois la différence en fait sur la carte entre les gens qui veulent se combattre, qui veulent se battre, et ceux qui veulent parler. Du coup, ceux qui veulent se battre, ce n'est pas eux à qui je dois parler. Du coup, je suis directement allé chez lui. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez. J'ai pas cheaté, j'ai trouvé tout seul en lisant le jeu. Voilà, et s'il veut faire un combat avec vous, il aura quand même la bouboule bleue. Oh merde, il a bien esquivé là. Ok, super, super, super. Super. Ok, je testais le micro en même temps. Du coup, on l'a battu. Voilà, c'est magnifique, j'ai 20 000. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la quête, elle est complétée. Et du coup, je reçois 10 000. Voilà! Quest clear. Donc en fait, les 3 ici qu'on voit devant. 3 man credito. Man, en fait, ça veut dire 10 000. 3, 10 000, crédits. Donc, 30 000 crédits. Est-ce qu'on en a 30 000? On en a 31 905, pour être précis. C'est génial, c'est génial. Je sais pas si on va les perdre aussi, si on va quand même pouvoir les garder, en fait, les 30 000 crédits. Mais c'est assez facile, quoi. On combat un gars. On a directement 10 000 crédits. Ce serait super, hein, 10 000 euros directement. Easy mode. Donc là, on va pouvoir aller au Tokyo Departo. Et on va pouvoir aller parler à ce mec-ci. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est consacrée uniquement à ce gars-là. Du coup, je suis désolé, mais je vais devoir déjà vous quitter. Donc voilà, moi je vais vous dire au revoir. Attendez, on va juste regarder le Shikarboat parce que il va y avoir un end en fait. Voilà. Voilà, end. Donc ça veut dire que la quête a été complétée. Otacross fait toujours chier avec ses downloads. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Encore une fois, c'était plus un épisode Solus qu'autre chose. Mais bon, il fait partie du let's play vu qu'il faut passer par ça. Enfin bref. Moi, je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée. À la prochaine. Au revoir.